Là, il est arrivé. En fait, pour moi, 1, 2, 3 soleils, ça a été le meilleur ami et le meilleur ennemi du rail. Ennemi du Ah, rail, très tu bien vois, formulé. voilà. Là, ça commence C'est-à-dire à être intéressant, ça. qu'il est arrivé à son apogée. Ok. En fait, ça a fait un grand, grand succès. Et ensuite, c'est devenu, tout de suite après, c'est devenu un produit. Un simple produit de consommation. Un truc surgelé, tu vois ce que je Ah, veux dire. d'accord. C'est-à-dire qu'on est passé d'un style qui était Authentique. international, vraiment, et jusqu'à maintenant, tu vois, là je reviens du Mexique, j'ai joué au Mexique, les Est-ce que les Mexicanos, Mexicains, ils se marrent là? mais c'est ça qui est fou, en fait, dès qu'ils ont entendu C'est fou, hein? Stuk, babou, direct Burrito, les Mexicains, tu vois, enchilada. mais direct, tu vois, c'est vraiment, là j'ai fait deux dates au Mexique, c'était incroyable, vraiment, tu vois, et à chaque Allah fois, Ibarak, ça fait ouais, vraiment, plaisir, tu ça vois, fait plaisir. pour moi, c'est arrivé à l'apogée, et en même temps, c'est devenu une espèce de musique de ghetto. À la fois, elle avait une aura internationale, ce Ouais. style-là, il avait une aura internationale. Et l'ont peu à peu fait de lui une musique de ghetto, de banlieue parisienne, Exactement. entre du rap et du rail, et le D'accord. R&B et tout Ok. ça. J'ai compris. Voilà. Et j'ai compris et tu as eu raison de Donc dire j'assume ça. Ok, complètement, bien évidemment, sûr, bien j'assume sûr. parce que pour moi, le rail, ce n'est pas une histoire de musique ou là d'argent ou là. Pour moi, le rail, ici, on revient en arrière. C'est vraiment un combat. Ça va de C'est une histoire, ça limiter. raconte une Allah histoire. Il y avait un vrai message. C'est pas un truc. Moi, la musique, Il je la suffit prends pas au de l'écouter, il sérieux. faut le ressentir. Voilà. Moi, Ouais, la ça musique, a je la prends au milité le rail, sérieux, hein. vraiment. Moi, Ouais. je prends la musique au sérieux.